et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo la dernière vidéo avant le lancement d'ailleurs je serai en live le discord et mon twitter plus ma chaîne twitch sont disponibles dans la barre de description les gars rejoignez le discord je donne toutes les infos plus des informations plus importantes que vous allez kiffer qui sont disponibles uniquement et uniquement sur mon serveur avec enfin mon serveur et celui de Fufu, parce qu'on partage le même serveur. Ah oui, et d'ailleurs, avec euh, Fufu, nous sommes en train de travailler sur un site. Nous sommes en train de travailler sur un petit site. Ça va arriver prochainement, les amis. Petit à petit, ça arrivera enfin. Normalement, ça arrivera en fin de semaine, début euh, de semaine prochaine. Euh, voilà un petit aperçu rapidement. Ok, let's go, voilà. On un, c'est bon, stop. Voilà. Allez, c'est bon. Nickel. Maintenant, un petit retour sur mon Twitter, là où je balance euh, 95%, 99% de toutes les informations. Hier. D'ailleurs, j'avais tourné une petite vidéo concernant les types, les buffs, les effets et malus qu'on avait. Euh, je vous invite à aller voir la vidéo. Hein et je vous invite également à me joindre sur mon Discord. À me rejoindre sur mon Discord. Euh, je serai en live à 22h30, un peu avant, pour parler du jeu, ok Alors, alors, tout d'abord, pour ceux qui veulent jouer sur émulateur, il y a ça. J'ai tourné une vidéo comment installer le jeu, mais je n'ai pas précisé euh, comment fallait optimiser Nox. Tout d'abord, vous allez aller sur le lien qui est disponible sur ce euh, euh, sur ce tweet. Frbignox.com vous prenez la version 64 bits sur leur site, que j'ai entouré ici. Suivi de là, où vous ouvrez votre multi-drive et vous euh, vous redirigez sur euh, l'Android 9 64 bits, ok Par la suite, vous allez ici, en performance, vous mettez LV 4 coeurs et mode compatibilité, euh, compatibilité améliorée OpenGL+. Vous, vous allez sur gaming, ok et vous activez le mode FPS LV et vous augmentez à 120 FPS. Vous mettez... Euh, enfin, vous activez la texture ASCC au cas où celle n'est pas activée. Et normalement, là, c'est bon. Après, à part ça, à part ça, on va parler un peu des persos qui ont reçu un changement. Également de la tier list La charliste, pour le moment, cela ne sert strictement à rien d'en parler, les amis. Parce que... De 50% des unités ont reçu un réajustement, un buff ou un nerf. Certains sont passés de SR à SSR, d'autres sont passés de R à SR et d'autres sont passés de R à SSR. Que ce soit Lotus, euh, Grace, euh, Charmie, Jean Pas, bah, etc., etc. etc. Il y a eu énormément d'unités qui sont passées. Euh, de R à SSR Ou de SR à SSR Enfin bref, plus d'ajustements sur les stats Sur les compétences, etc, etc Alors, concernant les personnages Il y aura plus de 40 personnages jouables Teresa, Sol, Veto, Fana Asta, Asta Saisonnier Yuno, Yuno Saisonnier, Yami, Alec Dora Catherine, Charlotte, Gauche Finral, Noël, Léopold, Luke, Magna, Nozel, Rils Gauden, His, Jack euh, Klaus, Lily, Lotus, Marx, Nebra, Neige, Radès euh, Ria, Sally, Seke, Sirène, Solide, Valtos, Vanessa, Vengeance, Fuegoleon, Charmi, euh, Mars. Et j'en oublié une qui a deux versions également, qui est... Euh, comment elle s'appelle ah, J'ai complètement oublié son nom. Euh, Mimosa. Mimosa qui, qui est disponible en SR. Et Mimosa, la version saisonnière. Est disponible en ssr voilà ça sera les enfin après je ne dis pas que tous seront tous tous et toutes seront jouables au début mais ils ont prévu 40 persos jouables au début là je vous en ai cité un peu plus de 40 je crois que je vous en ai cité 45 un truc comme ça et voici euh, la liste de tous de toutes ces unités maintenant on va parler de news les news qui sont les plus importantes alors Premièrement, on commence avec une multi roll En dehors de ça, deux multi gratuites, euh, grâce aux récompenses des pré-inscriptions. Et derrière, euh, grâce au top 1 qui a été fait sur Jab Store et iOS, enfin Play Store et euh, Apple Store, nous allons recevoir davantage de rewards, que ce soit de la monnaie, que ce soit des cristaux noirs ou encore des tickets en vocation. Et ça, c'est un énorme bon point. On pourrait également avoir des doublons de personnages ou des doublons de cartes universelles. Et ça, on l'achète tous les jours. C'est incroyable. Je remercie. Oh, les devs, ils sont incroyables. Vraiment. D'ailleurs, d'ailleurs, j'avais posté il y a. Il euh, il y a, il y a, il y, 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 y a. Hier. J'avais posté ça. En Corée, hier, ils ont fait top 1 en téléchargement sur iOS JAP iOS, CoR, enfin, KR, ils ont fait ça. Incroyable. Juste incroyable. Ah oui. Euh, est-ce que, est que je vous ai parlé du site Est-ce que je vous ai parlé du site Est-ce que je vous ai parlé du site, les gars Je sais pas si, si j'ai parlé du site. Est-ce que j'ai parlé du site Est-ce que je vous ai parlé du site Non, mais concrètement, est-ce que... Est-ce que... Est-ce que la hype est présente Est-ce que vous êtes content On est en train de préparer. Voici un petit aperçu. Là, c'est un petit côté brouillon. Mais le, le vrai site va arriver, les amis. Va arriver fin de cette semaine quand on aura tous les stats, tous les subs, tous les équipements justement en place pour les mettre sur le site. Les gars, les gars, les gars, on est prêts. On est ready for. The lunch! Oh, car, carrément, je prends mon accent anglais. Le gars, le gars, le gars, le gars. Je, je fais trop le gars, je fais trop le gars. Excusez-moi. Excusez-moi, mais excusez-moi. Mais voilà, le lancement du jeu est prévu pour la version coréenne à 23h et la version japonaise le lendemain à 5h du matin. Et c'est parti. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir, les amis. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace!